5 tendances e-commerce à suivre en 2017. Les experts en commerce, e-commerce et marketing, consultent leur boule de cristal et prédisent quelles seront les grandes tendances du e-commerce dans l'année à venir. Si le Black Friday et le Cyber Monday sont une indication, 2017 devrait être une bonne année pour le commerce électronique. En effet, aux États-Unis, les acheteurs ont réalisé des achats en ligne de 3,34 milliards de dollars le Black Friday et un montant énorme de 3,39 milliards de dollars le lundi suivant, battant ainsi les records précédents. En plus de proposer des offres quasiment irrésistibles, les commerçants ont profité d'une variété de technologies et d'applications pour aider à générer des ventes cette saison. Les analystes et les e-commerçants prédisent que ces 5 tendances e-commerce seront ou deviennent encore plus importantes au cours de la nouvelle année. 1. Le commerce mobile. Le commerce sur mobile a connu une croissance constante, plus de 2,4 milliards de dollars de marchandises achetées par les Américains via un téléphone portable ou une tablette pendant le Black Friday et le Cyber Monday. Apple Pay, Android Pay et PayPal y sont pour quelque chose. 2. Les chats en direct. Les chats en direct signalent une approche plus personnalisée et en temps réel de l'engagement des clients. On parle alors de commerce conversationnel, car il s'agit d'un levier plus humain et plus authentique que la plupart des produits marketing. De plus, il est maintenant possible de payer directement depuis les chats en direct. 3. Le shopping social. Les médias sociaux influent déjà sur le comportement des consommateurs, mais en 2017, ils deviendront un canal privilégié pour les transactions. 4. Le reciblage personnalisé. Suite au fléau des abandons de panier, encore plus prononcé sur les mobiles car l'attention est moins soutenue à cause de la taille des écrans, des outils de reciblage sont développés pour lutter contre les ventes perdues. 5. La réalité virtuelle. La réalité virtuelle modifie le paysage en fusionnant l'environnement hors ligne et en ligne pour un engagement plus prononcé des consommateurs. Et ce n'est que le début. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voyez-vous d'autres tendances à surveiller pour cette année et les années à venir ? Merci, à bientôt !